Yo tout le monde, c'est Fintech. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale. Mais comme d'habitude, abonne-toi avec la petite cloche de notification et mets un pouce bleu sur la vidéo. Et bien sûr, n'oublie pas de tous entrer le code créateur FintechBE dans la boutique Fortnite. Ça fait juste super plaisir. Et bien sûr, bonne vidéo. Mais juste avant de commencer la vidéo, si toi t'aimerais remporter le pass de combat saison 6 ou ça des émotes, des skins gratuitement, bah pour cela c'est vraiment super simple. Première chose, si t'abonnes à ma chaîne YouTube avec la petite cloche de notification, une fois que t'as fait ça, tu poses ton petit pouce bleu et bien sûr il va falloir mettre mon code créateur FintechBE dans la boutique Fortnite. Sur tu commentes ton pseudo Epic Games dans l'espace commentaire, je viendrai t'ajouter tous les vendredis pour voir si t'as gagné ou pas un petit cadeau sur la boutique Fortnite. C'était Fintech, je te souhaite une bonne chance et une bonne vidéo. Salut tout le monde, c'est Fintech, j'espère que vous allez bien. Bien écoutez, pour ma part, vraiment super bien. Comme vous avez vu, on se retrouve encore une fois sur Fortnite Battle Royale pour une toute nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, juste avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça fait juste super plaisir de tous liker cette vidéo. Simplement aujourd'hui, je vais vous montrer comment obtenir des tickets de remboursement gratuitement sur Fortnite Battle Royale. Alors c'est pour ça que je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Première étape, vous allez vous retrouver sur le lobby de Fortnite. Une fois fait ça, vous allez retourner dans la boutique d'objets. Juste avant, je vous soutiens vraiment. N'hésitez surtout pas à tous rentrer le code créateur FintechBE dans la boutique Fortnite. Ça fait juste super plaisir. Merci à toutes les personnes qui penseront à faire le code créateur FintechBE dans la boutique Fortnite. Première étape du glitch, ce que vous allez faire, vous allez retourner dans vos paramètres. Une fois dans vos paramètres, cadeau opinion, là vous allez vous mettre sur nom, recevoir des cadeaux également nom. Vous allez faire le bouton appliquer et faire le bouton retour. Là, vous allez retourner dans vos paramètres. Dans envoi de demande de remboursement, là vous allez voir que vous pouvez plus faire de tickets de remboursement. Alors c'est super simple, vous allez partir dans votre casier, là vous allez sélectionner, là vous allez désélectionner tous les emotes que vous avez, que ce soit les skins, les planeurs. Simplement moi j'ai sélectionné un skin que j'ai acheté dans la boutique d'objets que j'aime pas. Exemple, j'ai choisi le skin Kratos que j'ai vraiment pas aimé, et juste à retourner dans le lobby et de partir ici dans signalement et retour. Signale un bug, descend tout en bas, objet cosmétique, juste en haut de boutique, vous allez cocher la case. Cet objet cosmétique dégrade les performances du jeu, là vous allez cocher la case et là vous allez faire refaire la capture. Là vous allez attendre quelques secondes et là vous allez faire juste le bouton continuer et accepter. C'est vraiment super simple, envoi du signalement à Epic Games. Là vous allez juste à attendre, fermer et vous allez retourner dans la boutique d'objets. Là vous allez juste à faire paramètres et tout simplement là vous allez faire vite dans recevoir des cadeaux et quête d'opinion, et là vous allez appliquer et faire le bouton retour. Vous allez retourner dans votre casier et vous allez sélectionner encore un autre skin que vous aimez pas. Exemple, je prends ce skin de Ime que j'ai pas trop aimé, juste à encore refaire à la manipulation, signalement et retour, signal un bug, objet cosmétique. Cet objet cosmétique dégrade les performances du jeu, cocher à la case et refaire la capture, attendre quelques secondes et faire le bouton continuer et accepter. Je vais encore refaire ça une fois, envoie du signalement avec un autre skin, comme ça j'obtiens 3 tickets de remboursement. Exemple, je prends le skin le majeur, je prends le skin Mara Assertif, je retourne dans le lobby de Fortnite. Là, je suis retourné dans mes paramètres, cadeau opinion, je coche non, et reçoit des cadeaux, je coche non. Là, je fais appliquer et le bouton retour. Là, juste à faire signalement et retour. Signale un bug, descend tout en bas, objet cosmétique. Cet objet cosmétique dégrade les performances du jeu. Là vous avez juste à faire, cet objet cosmétique dégrade les performances du jeu. Et là vous avez juste à faire refaire à la capture. Là vous allez attendre quelques secondes. Et là vous allez faire le bouton continuer et accepter. Envoie du signalement. Et là vous allez attendre tout simplement qu'Epic Games ouvre vos tickets et vous rembourse vos 3 tickets de remboursement. Alors simplement ce qui craint, c'est que ça vous retire vos skins. Alors c'est pour ça vraiment, c'est pour obtenir des tickets de remboursement gratuitement. Mais je pense qu'après on peut choisir les skins ou soit les modes qu'on veut se faire rembourser. C'est vraiment super simple. Moi je vous conseille de réactiver les options que vous avez désactivées au ressort des cadeaux et accepter. Simplement c'était Fintech. J'espère vraiment que ces petites vidéos sur Fortnite Battle Royale vous aura plu. Je vous invite à tous vous abonner à la chaîne YouTube et de liker cette vidéo. Code créateur FintechBE dans la boutique Fortnite, n'oubliez pas ça. Et bien sûr, ciao tout le monde.